Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une vue globale sur le CAC 40 pour bien se rendre compte de la configuration actuelle avec donc cette dynamique qui évolue depuis le début de l'année avec ici en filigrane et bien cette phase d'affaiblissement où on voit ici la volatilité qui est en train de se réduire et donc la formation en biseau. Alors ce biseau ici il est en train de s'invalider. Il faut savoir que plus on va se rapprocher ici de la pointe, plus on a des chances d'invalider, que ce soit en sortie haussière ou baissière, la configuration donc qui éventuellement sur une sortie baissière eh bien, nous donnerait un signal de retour ici sur la base du biseau que l'on peut quantifier ici à ce niveau des 4950 points. Donc pour l'instant on est en train de se rapprocher de cette pointe. On est venu ici à deux reprises tester le support de la dynamique très court terme. Mais à chaque fois, cela a donné lieu à un rebond technique qui a permis une poursuite du mouvement haussier. Nous ne sommes d'ailleurs pas loin d'inscrire un nouveau plus haut significatif. Le plus haut d'hier se situe à 5206.38. Nous sommes actuellement sur un plus haut à 5204.65, donc très très proche de ces niveaux. Donc il va falloir effectivement être vigilant car tout de même, une rupture haussière ici de cette résistance nous donnerait un signal de possible raffermissement de la dynamique haussière en vue de rejoindre à terme la zone des 5248 points. Du point de vue des indicateurs techniques, nous avons une configuration plutôt de consolidation. On le voit aussi au niveau du MACD, on a un affaiblissement notable sur la dynamique, surtout lié au manque de volatilité. Sur le RSI, par contre, on continue à maintenir une petite dynamique haussière avec une entrée ici dans la zone de surachat, suivie d'un petit retour, mais dont l'évolution globale reste plutôt haussière ici, selon cet indicateur. Donc on le voit, rien de catastrophique. Alors, il va encore falloir surveiller le niveau horizontaux. Nous avons eu récemment la rupture haussière ici de la zone des 5175, zone qui a été résistance, qui n'a pas encore ici été testée réellement en tant que support. En cas de consolidation, au-delà de la possible rupture ici de ce biseau, c'est vraiment ce niveau qui fera foi, car une rupture de celui-ci eh bien, nous donnerait un premier pré-signal de possible consolidation. Par contre, tant que les cours évoluent ici au-dessus de cette zone horizontale, et notamment au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle en unité de temps 4 heures, eh bien, l'objectif reste un possible retour ici sur la zone des 5248 points. Voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en point matinal. D'un point de vue un peu plus macroéconomique, nous aurons quelques chiffres majeurs ce matin avec à 9h50 le chiffre IFO du climat des affaires qui sera dévoilé en Allemagne, suivi à 11h des chiffres de l'inflation pour la zone euro. Cet après-midi, je vous rappelle qu'il y a Trading Live à partir de 14h. On commencera donc les diffusions macroéconomiques à 14h30 avec les chiffres de vente au détail du Canada. Nous aurons ensuite à 16h30, horaire inhabituel, un discours du président de la Banque Centrale Européenne, Mario Draghi, ainsi qu'un rapport de la Fed qui sera dévoilée à 17h. Voilà, donc un live qui risque d'être assez riche. Voilà pour ce point matinal, passez de bons trades, on se retrouve à partir de 14h sur le chat du site boursicoté.com pour le début du Trading Live.